amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Donc pour faire une petite vidéo découverte, on va dire, pas sur le jeu, mais sur une nouvelle map qui s'appelle Spring Hill Valley 2015. Donc vous pouvez le trouver sur Mod 2015, c'est un site qui fait des mods pour FS 2015, donc c'est une nouvelle map qu'on va visiter. Si en fait, ce que je cherche en ce moment, pourquoi je vous fais beaucoup de visites de map, parce que j'ai envie trouver une map sur laquelle me poser pendant un certain temps et vous procurer toujours un contenu assez intéressant, mais toujours avec avec un contenu intéressant et qui soit joli et bien en même temps. Donc on va visiter un peu cette map. On va voir comme ça, ça a l'air assez joli, franchement. Mais je crois que je l'ai déjà faite en fait, cette map sur. Ah ok, en fait, on n'a aucun véhicule quoi. Attendez que j'arrive plus ça. Ok. On n'est pas dans la merde. On n'a aucun véhicule. On n'est pas dans la merde du tout. Bon, c'est pas juste. Bon. Donc, tac, tac, tac. Mais comment ils veulent qu'on fasse quelque chose si on n'a aucun véhicule? Je crois que cette map est soit obligée d'être cheatée ou de... Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas là qu'il y a du bruit. La trieuse du fesbaron. Excusez-moi de cette petite coupure. Bon, il y a eu quelqu'un qui a interphoné, je n'ai pas compris, donc voilà, on revient. Donc on va visiter un peu. Oh, excusez-moi, tout le monde. Ok. Je crois en fait, pour tout vous dire, que j'ai déjà joué cette map sur la version 2011. Et elle était déjà pas mal, mais en gros je me suis fait un peu bananer dessus parce que à l'époque j'avais hop, on est dans les emplois vaches. C'est vrai que ouais, on est dans les emplois vaches. Ok, ok. Ah, ok. Bon, bah, de toute façon on va pas pouvoir faire une très longue vidéo dessus, donc voilà, on va rester comme ça, ça peut être assez sympathique. Je vais laisser comme ça vide. Donc on va faire une très courte petite vidéo dessus. Non, en fait c'est des conneries. En fait il n'y a pas de map. En fait en gros je parlais pas trop parce que je... Ah mais c'est l'eau là. C'est de l'eau. C'est juste un chemin parce qu'on dirait pas qu'il y a de l'eau en fait.
Diablo. Ok. Donc voilà. Non, si, il tourne plutôt bien. Hein. Cette map tourne quand même bien. Je tourne à 14 images par seconde. Je suis pas en action. J'ai rien de spécial. Mon ordi, normalement, il est boosté à fond et tout. Donc c'est un peu normal quand même. Mais d'habitude, je tourne à 7, 8. Et puis là, je tourne à 16, 14. 14, 16. Donc voilà, donc je vais pas faire une trop longue vidéo, une dizaine de minutes maximum. Donc on a vraiment des très grands champs. Donc par contre, n'hésitez pas à me dire pour la prochaine vidéo que je referai dessus, donc c'est-à-dire à peu près 2-3 semaines si j'en fais une. Je crois qu'il va falloir que je cheat le jeu parce que là je vais pas pouvoir en faisant après. On peut pas faire ça. Je sais pas, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez que je ship le jeu pour pouvoir faire les gens, les champs, voilà, on y reprend comme il faut, ou si vous préférez que je fasse juste un prêt dans le jeu et que je puisse faire les champs, mais je crois que je pourrais pas les faire si je faisais les champs, donc voilà. Ouais, vous m'avez compris. En gros, si je pense de map, soit je fais un prêt, soit je cheat. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur Facebook ou Google Plus ou etc. ou d'autres trucs, pour me dire ce que vous voudriez que je fasse, si je cheat ou si je fais un prêt, en sachant que si je fais un prêt, il y a de grandes chances que juste j'achète de la puce. Je couperai de l'herbe pour la revendre. Donc, ça va être un peu nouille pour vous, on va dire, parce que ça va être long et vous allez vous trouver un peu dans le vous allez un peu l'avoir dans le baba. Bon, c'est vrai que ça ferait pas grand chose, ou sinon je le ferai de mon côté, mais ça sera très long. Donc voilà. Donc on va faire à peu près entre 5 et 10 minutes de vidéo, parce que ça va être une vidéo très courte. En gros, on va faire une visite très basique. Parce que d'une, on n'a pas de véhicule. De deux, on n'a pas de véhicule. Et de trois, la map a l'air quand même un minimum grande. Donc, je pense quand même que oui, il y a. Donc je regarde un peu, ouais, en gros c'est le bout de la map là. Donc cette map est très très jolie, très bien faite et tout. Ben, parfaitement, il y a quelques petits défauts. Comme le fait qu'on n'ait pas de GPS dessus, c'est un même très gros défaut. Donc voilà, je regarde un peu ce qui se donne. D'ailleurs je vais voir pour... Alors, fanaison des... Ah non, c'est pas là-dessus, fanaison des cultures. Non, c'est pas là-dessus, c'est là-dedans. Donc voilà, histoire que ça s'abîme pas, on va dire, les cultures qui sont déjà plantées. Bon là, je vous dis franchement, je suis un peu dans les choux, parce que j'ai pas mal mangé et tout. Et je le fais juste après manger, donc peu de temps après manger. Sinon, c'est quand même une map qui est assez jolie. Putain, ça marche jamais.
Ça marche jamais ce truc. C'est une map qui est quand même jolie. Donc il y a des grands champs. Donc n'hésitez pas franchement à me dire si dans le prochain épisode, parce que celle-là j'aime bien quand même, elle est jolie. Mais le truc c'est que soit il faut tricher, soit il faut prendre des prêts, il faut faire des prêts. On va demander des prêts. Et après pouvoir commencer la série. On va certainement faire un peu de voilà. Parce qu'en gros je pense que si je fais une série je pourrais de commencer une série, en gros je peux faire un prêt de 100 000 ou 100 je sais pas combien de mille. Sur la souris pousser en dessous. Voilà. Là, faucheuse. Ouais, il me faudrait 160 000 pour pouvoir prendre cette 88 litres, je croyais qu'elle faisait 120. Ah oui, j'ai dû la modifier. C'est moi qui ai dû la modifier tout. Donc après couper de l'herbe, ça nous rapporterait pas mal d'argent. Donc voilà. Et je perds 3 minutes. Donc je sais pas encore. Donc je pense que ce que je ferai au prochain épisode, je vais faire un prêt. En fait, je vais éviter de tricher. Et commencer une petite série sur Spring Hill. Bah allez, donc dites-moi ce que vous en pensez. Il y a une grande chance que je l'ai déjà fait quand vous me répondez, mais bon. Pardon. Donc je vous présente cette map, ça va être la future map. Donc certainement prochain épisode je vais tondre ce champ. Donc j'espère qu'il vous plaît, c'est quand même un sacré champ. En faire avec. Donc voilà. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Franchement, cette map, je vais faire une série dessus parce que je la trouve jolie. Elle est intéressante. J'ai pas fait une série très longue. Je vais faire une série comme sur la map de base, sur Belgique profonde et toutes les maps que j'ai testées. J'ai trouvé ça très bien. Donc voilà. Donc c'est à peu près des trucs comme ça. Donc moi, je vous dis clairement que ça me plaît pas mal d'avoir fait cette vidéo avec vous. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bon moment. Et donc je vous dis à plus. Ciao.